Une antenne Sigfox. Ici, on a une autre antenne qu'on... Et donc, on le place comme ça à l'intérieur. Et ensuite, on vient retirer pour placer l'antenne ici. Donc ensuite, on vient placer de la colle ici pour pouvoir faire tenir le tracker dans la corne ainsi que dans le petit trou où il y a l'antenne Sigfox. Et on a commencé un projet au Zimbabwe il y a maintenant 3 ans en inventant un capteur prototypé aujourd'hui dans la corne d'une trentaine de rhinocéros qui émet 3 fois par jour la position exacte du rhinocéros, et ça pour 3 ans. On aide les rangers aujourd'hui et les experts de la conservation à observer à distance, en prenant moins de risques, ces animaux, et surtout à anticiper des potentiels dangers que prendrait l'animal.